Bonjour à tous, bienvenue au festival Nice Fiction, un festival exceptionnel, encore plus exceptionnel d'ailleurs que d'habitude cette année, puisque nous sommes entièrement à distance. Et donc avant de commencer cette intervention, je voudrais remercier très chaleureusement et saluer l'extraordinaire travail que fait toute l'équipe de Nice Fiction dans les locaux de l'université, plus précisément à Saint-Jean-d'Angély. Alors c'est une date qui est quand même mémorable, hein, puisque nous allons inaugurer et nous inaugurons depuis hier déjà ce festival complètement et entièrement à distance grâce à vous, grâce aux moyens techniques de l'université et grâce à la synergie d'un grand nombre de personnes. Alors j'ai choisi de vous parler dans cette conférence de la science-fiction, bien évidemment, mais de le faire d'une certaine façon. À ma manière, bien sûr, mais d'une façon un peu peut-être provocatrice. Provocatrice, d'abord, par le titre même de cette conférence, qui en laissera certains, pour le moins, je pense, dubitatifs. Et puis, vous allez voir aussi, au-delà du titre, dans l'approche que je vais essayer de vous proposer, et qui va aller dans le sens de cette thématique de reboot, de recommencement, que Sibyl Marketo a voulu impulser pour cette édition de Nice Fiction. Alors le titre tout d'abord, l'étonnante résilience des fictions raisonnables, et que vous voyez à l'écran en même temps que je vous parle. Alors évidemment, ça paraît un titre un peu alambiqué, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus simple en réalité qu'il n'y paraît. Et puis, comme modèle d'accompagnement, comme image d'accompagnement, j'ai choisi cette couverture d'Amazing Stories de Hugo Gernsback, qui semble être capable, à mon sens, d'expliquer, de résumer, de reprendre au final ce qui est la spécificité même de la science-fiction, en tout cas à mes yeux, et la manière dont cette science-fiction a encore sa place, a plus que jamais sa place peut-être aujourd'hui, dans le champ des littératures de l'imaginaire et au sein même de l'imaginaire, quel que soit le support. Alors tout d'abord, avant vraiment de commencer, et en tant que juriste, je commencerai par expliquer les termes, bien sûr, mais avant de commencer, je voudrais dire quelques mots sur la période que nous traversons, cette période du Covid-19, et ce sentiment que nous avons que le monde, en réalité, a complètement été transformé, que le monde a été complètement changé, et peut-être que d'une certaine façon, beaucoup de choses auxquelles nous pensions, que nous pensions définitives, que nous pensions constantes, sont en fait frappées d'obsolescence. Obsolescence de certains mécanismes de décision, obsolescence d'un certain modèle économique, sans doute, obsolescence de la liberté de déplacement instantané, obsolescence de l'énergie limitée ou en tout cas des dépenses d'énergie complètement démesurées. Et tout ça nous confronte à ce qui d'habitude n'est pas, ou en tout cas n'est pas fréquent dans la réalité, c'est-à-dire un scénario, un cas limite, un cas extrême que l'on trouve bien souvent justement dans la science-fiction. C'est cette littérature de science-fiction qui va naître entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. C'est cette littérature justement qui nous a accoutumés à explorer ces cas limites. Et c'est en général dans la littérature de science-fiction ou dans les productions de science-fiction que l'on trouve effectivement ces situations un peu extrêmes. En général, dans la réalité, à part quelques cas évidemment bien particulier, évidemment, on ne trouve pas ce genre de cas limite. Donc là, nous sommes projetés dans un monde de science-fiction. Nous sommes projetés dans un monde complètement inédit, avec une situation qui est totalement extrême, limite, hein, et qui ressemble à tout point, en tout point, à ce qu'on trouve dans les grands textes, hein, ou dans les films de catastrophe en particulier de science-fiction. Et alors du coup, et vous l'avez constaté, je pense d'ores et déjà, bien souvent, les décisions qui sont prises, je parle de décisions politiques, économiques, sanitaires en l'occurrence, semblent elles aussi extrêmes. Et il y a une sorte de mimétisme entre le caractère extrême de la situation que nous vivons et le caractère, je dirais, extrême de la décision qui est prise, comme par exemple ce fut le cas pour ce confinement
qui nous a, du jour au lendemain, et de façon extrêmement brutale, enfermés chez nous et confrontés à la disparition totale de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, et ce qu'on appellera peut-être demain encore, j'espère, l'espace public, l'espace collectif, ce que les Grecs appelaient tout simplement l'agora. Alors, est-ce que cet extrémisme des, situations impose véritablement un extrémisme des décisions et d'une certaine façon un abandon de ce qui pourrait être considéré comme raisonnable? Et vous me voyez venir sur une partie du mot, une partie en tout cas du titre de ma conférence d'aujourd'hui. Et puis, la science-fiction, qui explore évidemment des situations qui existent maintenant depuis de très nombreuses années, plus d'un siècle et demi, on va dire presque deux, eh bien, ces situations de la science-fiction, bien souvent, on les juge, en tout cas par certains côtés, on les juge obsolètes. Et j'ai souvent entendu dire, et je l'entends encore aujourd'hui au sein même du monde de l'imaginaire, que certains textes de science-fiction sont obsolètes. Ils sont obsolètes, ils sont illisibles même. Je me rappelle de certaines discussions que j'avais aux Utopias là, avec Thomas D. notamment, sur le caractère illisible de certains grands textes anciens, de certains même grands auteurs américains. Et du coup, cette obsolescence est-elle véritablement méritée? Entendons par là, est-ce que la science-fiction, tout comme le monde, ne doit-elle pas, au fond, abandonner un certain nombre de solutions anciennes, un certain nombre de techniques anciennes, y compris de techniques d'écriture, et ne doit-elle pas, au fond, se réinventer complètement, se rebooter d'une certaine façon, en oubliant complètement et en faisant table rase du passé, un peu comme une révolution fait table rase du passé, ou en tout cas prétend ou a l'intention de faire table rase du passé. Est-ce qu'il y a, au fond, une survie possible pour toute une partie de l'histoire de la science-fiction dans un monde qui a été complètement transformé, à la fois dans ses mœurs, dans son rapport au pouvoir, dans son rapport à l'autre, dans l'identité sexuelle elle-même? Et je parle évidemment de modèles qui sont complètement obsolètes aujourd'hui. Et est-ce que cette science-fiction-là est périmée et est-ce qu'il faut la jeter aux orties, un petit peu comme les révolutionnaires français ont jeté aux orties, en tout cas dans une première phase, tout ce qui représentait l'ancien régime. Et c'est cette question-là aussi que je voudrais aborder avec vous. Y a-t-il une résilience possible de la science-fiction ou faut-il recommencer d'à-capo? Réinventer complètement la science-fiction en oubliant complètement l'histoire et sa propre histoire. Alors je vais me baser sur deux ouvrages dont je vais citer des extraits que je vais vous montrer. Un premier ouvrage donc qui s'appelle Nouvelles des siècles futurs, je pense que vous pouvez le voir, voilà, Nouvelles des siècles futurs. Et puis un deuxième ouvrage qui s'appelle Chasseur de chimères et notamment qui traite du merveilleux scientifique qui a été évidemment développé au cours du 19e siècle et qui a été très bien étudié par Serge Lehmann dans sa préface et ensuite qui a fait l'objet, vous le savez tous déjà évidemment, d'une exposition à la BNF dirigée par Fleur Hopkins. Donc voilà tout ce que je vous propose de voir dans cette conférence et je suis évidemment partant pour répondre à vos questions en temps réel, hein, c'est-à-dire que je vais voir s'afficher vos questions grâce à une modératrice qui est avec moi, qui s'appelle Méjane, hein, et qui va me les transmettre. Et donc je pourrai m'interrompre évidemment dans ma réflexion et répondre à vos questions, ou peut-être même faire évoluer cette réflexion en temps réel et grâce à vos interventions, puisque ce que je vous présente aujourd'hui n'est pas un discours formaté, n'est pas un discours terminé, fermé, voire publié, mais bien une réflexion ouverte qui vise à interroger la pertinence de la science-fiction dans le monde d'aujourd'hui et sa dimension en particulier de fiction raisonnable, comme je vais le définir à présent. Alors, je commence ma présentation. Alors, tout d'abord, il faut définir les mots. Les mots-clés dans le titre de cette conférence, l'étonnante résilience des fictions raisonnables, eh bien, il y a au moins deux mots qui, sans doute, vous paraîtront peut-être un peu surprenants, ou en tout cas, mériter un petit peu une explication, le mot de résilience
et le mot de raisonnable, qui pourraient peut-être tous deux vous surprendre dans le cadre d'une conférence portant sur la science-fiction. J'imagine aisément que le mot de fiction ne vous perturbera pas. Hein, tout le monde sait et tout le monde envisage bien ce que l'on entend par fiction lorsqu'on parle de science-fiction, bien sûr. Et puis le mot étonnant, évidemment, vous l'aurez compris, est une petite provocation supplémentaire de ma part, puisque étonnant, astonishing ou amazing, surprenant, c'est ce qui caractérise le sense of wonder, c'est-à-dire l'effet d'émerveillement de la science-fiction. Lorsque on a tous fait cette expérience, hein, quel que soit votre âge, quel que soit votre parcours, vous qui m'écoutez, si vous lisez un roman de science-fiction, vous découvrez une série de science-fiction ou une bande dessinée de science-fiction, eh bien la première chose qu'il doit évidemment, que vous devez ressentir, c'est d'abord l'étonnement, la surprise. Et donc, c'est pour ça que j'ai utilisé ce mot d'étonnante résilience des fictions raisonnables. Alors, explorons maintenant, le sens de ces deux mots et comment j'entends, les utiliser. Alors, tout d'abord, le mot résilience. Alors, ce mot résilience, beaucoup de gens, le connaissent grâce à Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik, qui est un éthologue très connu et qui maintenant a beaucoup aussi travaillé sur le comportement de l'enfant et l'étude de l'évolution psychologique des enfants. Boris Cyrulnik utilise ce mot dans un sens évidemment figuré, qui est cette capacité, notamment de l'enfant, hein, évidemment, hein, en tout cas de l'individu, de l'être psychique, c'est cette capacité à survivre psychologiquement à un drame, à une violence qui a été subie, à une injustice terrible qui a été subie, et nous avons tous, plus ou moins, à des degrés différents, cette capacité de résilience, cette capacité de survivre au drame qui parfois entre dans nos vies et détruisent une partie de ce que nous croyons à être constant et définitif. Alors cette résilience psychologique, évidemment, eh bien, c'est ce que nous souhaitons tous, car qui ne connaît pas de drame ou qui ne connaît pas de crise dans sa vie? Ben, personne, probablement. Et cette résilience, cette capacité à remonter en selle, à se remettre en mouvement, à remettre sa vie en mouvement, c'est quelque chose qui est très important, et malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux devant cette résilience. Mais la résilience, ça n'est pas un terme uniquement à la mode, comme me l'ont dit quelques personnes en disant, ah ben voilà, tu utilises les termes à la mode. Bah non. En fait, résilience, c'est pas simplement un terme à la mode, c'est un vieux terme qui vient du latin résiliere, qui signifie tout simplement résiliere, rebondir, sauter en arrière. C'est-à-dire bien revenir en arrière, peut-être pour changer de chemin, rebondir à la suite d'un choc. Et cette résilience, au sens propre, comme vous le voyez à l'écran, c'est la capacité de résistance d'un matériau, d'un métal au choc. La résilience est donc la faculté de résister à un choc, au sens propre comme au sens figuré. Et cette faculté de résister à un choc, elle implique, et vous le voyez bien, hein, dans l'analyse du mot que je vous propose, elle implique la capacité de reculer. Et c'est très important pour moi de vous dire ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas résister à un choc en ne faisant aucun pas en arrière. Et très souvent, que ce soit au plan psychologique ou au plan physique, hein, ceux qui font des arts martiaux le savent sans doute, ceux qui jouent à quelques sports que ce soit, même si actuellement la plupart des sports ont été suspendus, le savent. Pour encaisser un choc, il faut reculer. Reculer sur une certaine distance. Pas forcément une grande distance, mais une certaine distance. Il faut accepter un saut en arrière temporaire, le temps de se reprendre, d'encaisser le choc et de repartir à l'assaut et de rebondir. C'est vrai en termes militaires, c'est vrai en termes sportifs et c'est vrai en termes psychologiques. Je prends un exemple que je puise dans ma pratique de l'enseignement. Je connais par cœur la réaction des étudiants lorsqu'ils ont une mauvaise note. Et la plupart des étudiants, lorsqu'ils ont une mauvaise note, se vexent
évidemment s'offusquent et cette mauvaise note qui les fait reculer dans leur moyenne, ils la vivent mal. Et en général, la plupart d'entre eux, bien sûr, savent qu'ils vont devoir réagir, qu'ils vont devoir réviser leur méthodologie, qu'ils vont devoir travailler sur ce qui n'a pas marché. Mais certains d'entre eux ont tendance aussi à refuser cela, à se renfermer sur eux-mêmes et à dire bon, puisque c'est comme ça, alors j'arrête de travailler. Donc cette résilience, cette résistance au choc qui implique un rebond, qui implique un saut en arrière, eh bien je veux ici la traiter à travers la science-fiction au sens propre comme au sens figuré. Et je pense que la science-fiction elle-même, et je vais vous le montrer, est une littérature résiliente, c'est-à-dire qu'elle a la capacité à encaisser des chocs, elle a la capacité à affronter ses erreurs, et elle a la capacité à survivre, je dirais, à sa propre obsolescence. Et nous le verrons avec quelques extraits de textes que je vous propose aujourd'hui. Deuxième mot sur lequel je voulais vous faire réfléchir, et ceux qui me connaissent voient ici la dimension très, la méthodologie très juriste que j'emploie, hein, avec des introductions interminables, évidemment, et je m'en excuse, mais je l'assume tout à fait en même temps. Deuxième mot donc sur lequel je voudrais vous faire travailler et vous faire réfléchir, c'est le mot de raisonnable. Qu'est-ce que c'est qu'être raisonnable? Alors évidemment, vous comprenez bien ce que je veux dire par là. Est raisonnable celui qui est doué de raison, celui qui est capable de réfléchir, capable de s'interroger, capable de se réformer, hein, c'est-à-dire qui ne va pas se laisser emporter, je dirais, par uniquement ses impulsions et va savoir, comme on dit, hein, savoir raison garder face à une situation extrême. Alors tout d'abord, je prendrai le sens le plus simple du mot et je le trouve dans le dictionnaire Logos, qui est un dictionnaire que j'apprécie beaucoup et qui est dans ma bibliothèque depuis très longtemps, depuis qu'un ami me l'a offert. Là encore, je reviendrai à l'étymologie, hein, à la manière d'un Alain Rey, évidemment, d'un Alain Rey de pacotille, hein, en ce qui me concerne. Ça vient du latin ratio, qui signifie calcul. Calcul, ça veut dire tout simplement calculer, c'est-à-dire mesurer, et si je fais de l'arithmétique de base, mesurer les plus et les moins. La capacité à se raisonner, c'est fondamentalement ça, en réalité, regarder tout simplement les avantages et les inconvénients d'une situation. Et lorsqu'on est raisonnable, et vous le voyez bien dans la vie réelle, hein, je le prends au sens très simple du mot, au sens tout à fait populaire du mot, hein, que tout le monde comprend, ben, il faut être raisonnable, ça veut dire que lorsqu'on a une situation que l'on n'apprécie pas, eh bien malgré tout, il faut être capable de savoir en tirer les avantages et de savoir en voir, en concevoir les bons côtés, tout simplement. Et regardez ce festival, Nice Fiction 2.0, Nice Fiction Reboot, Nice Fiction à distance, eh bien Sibyl Marchetto et toute son équipe, hein, ils ont été capables d'être raisonnables, tous. Et ils ont été capables de voir les avantages autant que les inconvénients qu'il y avait à cette situation de confinement. Et au lieu de baisser les bras, au lieu de tomber dans le défaitisme ou la dépression, eh bien toute cette équipe, et je les salue pour ça, et je les remercie, a été capable de voir à quel point il fallait voir le bon côté de ce confinement, voir le bon côté de cette nouvelle situation dans laquelle nous nous trouvions, et voir comment, par calcul, par plus et par moins, on pouvait à minima arriver à une situation neutre, c'est-à-dire faire ce que nous faisions avant, mais différemment, ou alors faire encore plus que ce que nous faisions avant, et c'est bien, il me semble, ce qui est en train de se passer et de se jouer pendant les journées actuellement en cours de Nice Fiction. Donc, être raisonnable, c'est être doué de raison, c'est être capable de calcul, c'est être capable de recul, là aussi, de prendre du recul face à une situation. Mais surtout, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'être raisonnable, ça n'est pas forcément non plus aussi facile que ça. Et que pour moi, la science-fiction, je pense, dans une situation de crise, et pratiquement, et je le dis du fond du cœur, hein, pratiquement la seule littérature, la seule expression de l'intellect qui soit par nature capable de raison,
qui soit naturellement raisonnable parce qu'elle est habituée à envisager des situations limites. Elle le fait depuis 160 ans, 170 ans. Et en envisageant ces situations limites, elle travaille justement sur les plus et les moins, les avantages et les inconvénients de cette situation. Donc elle est, les auteurs de science-fiction, les créateurs et les créatrices de science-fiction savent très bien pratiquer cette technique du ratio et du calcul. Et puis je voudrais aussi, au long de cette conférence, distinguer le mot raisonnable, c'est l'adjectif raisonnable, de trois autres mots sur lesquels je vais revenir également avec vous. Trois autres mots qui sont très différents malgré les apparences du mot raisonnable. Le premier, c'est le mot de rationalité. Le deuxième, c'est le mot de rationalisation. Et le troisième, c'est le mot de rationalisme. Rationalité, rationalisation et rationalisme sont trois choses très différentes. La rationalité, qu'est-ce que c'est? La rationalité, tout d'abord, c'est une certaine pratique de la raison. La rationalité, cette pratique de la raison, elle est, entendez-moi bien, culturelle. Ça veut dire que si tout être humain, tout individu, on le sait depuis les philosophes grecs, tout individu est doué de raison, il ne pratique pas la raison de la même manière selon le temps et l'espace dans lequel il se trouve. Et ainsi, on le voit bien dans la philosophie, il y a non pas une rationalité, mais des rationalités. Et je m'appuierai sur Michel Foucault dans quelques minutes pour vous faire comprendre ça encore mieux. La rationalisation, c'est un processus qui prétend faire triompher la rationalité. Et la rationalisation, c'est, alors on l'entend beaucoup aujourd'hui, lorsqu'on parle de rationalisation des structures, lorsqu'on parle de rationalisation des coûts, lorsqu'on parle de rationalisation des, par exemple, des institutions. On va, par exemple, rationaliser pour dépenser moins d'argent et faire plus, etc. Ce processus de rationalisation, c'est un processus qui impose une direction. Donc, ça suppose d'accepter l'idée qu'il y a moins de raisons avant et plus de raisons après l'aboutissement de ce processus. Et donc, il faut le distinguer clairement du mot raisonnable, parce que ce mot de rationalisation, qu'on trouve souvent d'ailleurs en politique, suppose d'accepter l'idée que la raison dans le passé était moins importante que la raison dans l'avenir. Et enfin, il y a le mot que j'évoquerai également aussi, de rationalisme, qui pour moi est le moins fréquentable des quatre mots que je viens de vous donner. Le rationalisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une idéologie, comme son suffixe l'indique. C'est une idéologie qui vise à conquérir le pouvoir et à conquérir les esprits, donc comme une doctrine également, de telle manière que la seule définition de la raison qui soit acceptable soit celle que ce rationalisme défend. Ce rationalisme, au fond, c'est la réduction de la liberté de la raison et à l'exclusion de toutes les raisons alternatives, à l'exclusion de toutes les rationalités alternatives, l'imposition à une société d'une seule forme de raison, la sienne. Alors ce rationalisme, vous qui m'écoutez, vous en avez fait les frais. Je suis désolé de vous le dire, et peut-être à votre insu ou peut-être pas, ça dépend quel est votre parcours. En tout cas, nous sommes les enfants du rationalisme du 19e siècle. Nous sommes les enfants de ce que Auguste Comte appelait le positivisme, et nous sommes les enfants de ce processus de rationalisation du monde intellectuel qui a dominé largement tout le 19e siècle et qui nous a amené évidemment au triomphe de la loi, au triomphe de la norme, au triomphe de l'État-nation et aussi au triomphe du totalitarisme. Et donc ce rationalisme qui a triomphé au XIXe siècle et qui a marqué une grande partie du XXe siècle, eh bien la science-fiction en porte les stigmates. La science-fiction, comme le dit Frédéric Jameson dans son ouvrage « Archéologie du futur, le désir d'utopie », la science-fiction porte en elle, dans sa chair, dans la manière dont nous avons de l'écrire,
dans la manière dont nous avons de l'utiliser, elle porte les stigmates de ce rationalisme et elle a fait les frais, d'une certaine façon, de ce positivisme, même si en grande partie, grâce à sa capacité, grâce à sa raison, elle a été aussi, d'une certaine façon, une critique de ce rationalisme. Et j'en veux pour exemple tout simple, hein. Je prendrai deux exemples très clairs pour vous les montrer très rapidement. Le cyberpunk et les contre-utopies, ou ce qu'on appelle les dystopies du XXe siècle. Par exemple, 1984 de George Orwell, ou Nos romanciens de William Gibson, dont nous reparlerons d'ailleurs cet après-midi avec son traducteur Laurent Casey, vers 15h. Eh bien, le cyberpunk et les dystopies, les contre-utopies du XXe siècle, on pourrait citer également Nous autres de Zamyatin, d'Evgeny Zamyatin, ont su, tout en portant les stigmates du rationalisme, tout en faisant de la machine et de la technique un des éléments indissociables de la narration, ont su prendre le recul pour en faire la critique. Et c'est en ça que j'y et que se trouve, à mon sens, la supériorité indépassable de la science-fiction et sa résilience également, qui la rend plus que jamais utile et nécessaire à notre époque aujourd'hui. Alors voilà tout ce que je voulais vous dire de façon préalable dans ces premières 20 minutes de travail, de réflexion. Voilà ce que je vais essayer de vous montrer à présent. Alors, dernière petite excursion par la théorie à proprement parler. Évidemment, en tant que juriste, en tant qu'historien du droit et historien des idées politiques, je ne peux pas faire l'économie de passer par la case de Michel Foucault, et notamment par un texte qu'il a écrit en 1982 sur le sujet et le pouvoir, et un texte qui, avant même de le commenter, et même s'il n'est pas stricto sensu de la science-fiction, doit être lu avant tout. Donc je vais vous en donner lecture très rapidement, c'est un extrait très très court, hein. Voilà ce que nous dit Michel Foucault en 1982. « Faut-il faire le procès de la raison ? À mon avis, rien ne saurait être plus stérile. Sans doute, est-il plus sage de ne pas envisager globalement la rationalisation de la société ou de la culture, mais plutôt d'analyser le processus dans plusieurs domaines, dont chacun, renvoie à une expérience fondamentale. Je pense, nous dit Michel Foucault, que le mot de rationalisation est dangereux. Ce qu'il faut faire, c'est analyser des rationalités spécifiques, plutôt que d'invoquer sans cesse les progrès, de la rationalisation en général. Il faut faire cela, nous dit Michel Foucault, si l'on veut comprendre par quel mécanisme nous nous sommes retrouvés prisonniers de notre propre histoire. Alors pour moi, ce texte, il devrait être connu par toutes les auteurs et tous les auteurs de science-fiction, les autrices et les auteurs de science-fiction, parce que pour moi, ce que définit Michel Foucault ici, c'est précisément, chers auditeurs et auditrices, vous qui êtes de l'autre côté du réseau et qui m'écoutez, c'est précisément la meilleure définition que je puisse imaginer de la fonction rationnelle de la science-fiction. Et il est fort regrettable que Michel Foucault n'ait jamais été tenté par la science-fiction, ou en tout cas par l'écriture de la science-fiction, ou par écrire sur la science-fiction, à ma connaissance en tout cas. Car voilà ce que nous permet de faire, et je vais vous en donner des exemples très précis maintenant, voilà ce que nous permet de faire la science-fiction, c'est de penser la modernité, voire de penser la post-modernité, sans nécessairement en faire le procès. La science-fiction n'est pas une littérature ou n'est pas un support de l'imaginaire qui donne des leçons, qui accuse comme un procureur ou qui défend comme un avocat. Elle ne fait le procès d'aucune forme de société ni d'aucune forme de choix économique ou politique. Et c'est en ça sa supériorité. Elle n'est pas stricto sensu idéologique, même s'il y a quelques textes de science-fiction qui ont été malheureusement très très marqués par l'idéologie. Elle est là plutôt pour nous permettre de penser l'évolution rationnelle de la société, de peser le pour et le contre, et justement d'analyser ce que Michel Foucault appelle nos rationalités spécifiques. Elle nous montre,
dans tous les textes, au fil des générations, comment notre rapport à la société, comment notre rapport à la rationalité change, comment il évolue en permanence, comment il est vain de faire le procès du passé lorsqu'on est dans un présent qui a rejeté ce passé. C'est une opération totalement vaine que de stigmatiser ce qui s'est passé jadis, mais plutôt d'essayer de comprendre pourquoi cela s'est passé et comment une société évolue, alors tantôt à une échelle tout à fait simple d'une société, d'une nation, d'un état-nation, ou comme dans la science-fiction, à une société étendue aux confins de l'imaginaire, aux confins de la galaxie, aux confins du temps. Et c'est pour ça que, notamment, la science-fiction, le space opéra, au-delà de son apparence de vaisseaux spatiaux s'échangeant des coups de semonce de laser de l'autre côté d'un champ d'astéroïdes, comment fondamentalement le space opéra est en fait une réflexion profondément sociétale et profondément rationnelle. Et c'est comme ça qu'il faut lire, par exemple, Le cycle de la culture de Ian Banks ou Dune de Frank Herbert, ou encore, par exemple, Les enfants de Poséidon de Alastair Reynolds, pour parler d'un texte plus récent, ou peut-être encore aussi le cycle de Ada Palmer, qui est en train d'être traduit aux éditions du Bélial, et qui va probablement marquer l'histoire du genre également. Donc voilà ce que nous dit Michel Foucault, et voilà ce dans quoi je m'inscris, dans cette résilience de la science-fiction, capable en toutes circonstances de rester raisonnable et de nous parler des avantages et des inconvénients d'une situation, nous permettant ainsi de rester libre en tant qu'individu, en tant que citoyenne et en tant que citoyen, de penser le futur sans s'enfermer dans des idéologies. Pour moi, la science-fiction, quel que soit le reboot que nous allons connaître dans cette société, et j'espère qu'il va être réel, la science-fiction restera à jamais un outil intellectuel autant que de divertissement pour nous donner les éléments de notre liberté pour construire demain peut-être des mondes meilleurs, sinon des utopies. Alors je vais maintenant passer à une phase d'analyse de texte de science-fiction et vous montrer comment, eh bien, vous auriez tort, tous et toutes, quel que soit votre âge et quelle que soit votre implication dans notre société, dans cette société qui évolue, comment au fond, dans les vieux textes, on trouve des merveilles. Comment dans les textes qui paraîtraient peut-être le plus ringard à certains, on trouve des pépites d'or, des pépites de liberté, des pépites d'intelligence qui peuvent, autant que ce qui se produit aujourd'hui et qui est brillantissime évidemment, peuvent nous aider à faire ce cheminement et à être nous-mêmes résilients face à la crise. Alors le corpus sur lequel je vais me baser dans cette conférence, qui va maintenant se déployer sur une série d'exemples, c'est évidemment la science-fiction, bien sûr, mais c'est aussi le corpus des utopies, de tous ces textes décrivant des cités idéales sur lesquelles je travaille beaucoup en ce moment et depuis 3 ans maintenant, puisque je travaille sur la rédaction d'une monographie sur la culture juridique dans l'utopie, mais rassurez-vous, je ne vais absolument pas vous imposer le résumé ou en tout cas même un extrait de quoi que ce soit de cette monographie, ne vous inquiétez pas. Donc nous allons parler d'abord des utopies et puis nous allons aller sur les textes de science-fiction jusque vers la fin du XXe siècle, considérant par là que, évidemment, la résilience que je cherche à montrer n'est intéressante que sur des textes qui ont déjà un certain âge et un certain parcours. Donc voilà trois ouvrages que je vous ai indiqués. Les Lumières de l'Utopie, évidemment, de Bronislav Bashko, qui malheureusement nous a quittés il y a 2 ans et qui est un grand spécialiste de l'utopie au temps des Lumières. Le Dictionnaire de Pierre Versins, l'encyclopédie de l'utopie et de la science-fiction. Et puis le petit recueil que j'ai amené avec moi et que je vous ai montré. Et évidemment, il manque ici Chasseur de chimères, sur lequel je vais me concentrer lorsque j'aborderai le merveilleux scientifique. Alors commençons par le premier, par le commencement, l'utopie de Thomas More de 1516.
1516, l'utopie de Thomas More. Alors, je ne sais pas combien vous êtes à m'écouter, mais je me doute qu'une grande partie d'entre vous, s'il n'a déjà quitté la conférence, a envie de le faire maintenant. Et vous auriez tort. Car l'utopie de Thomas More n'est pas l'un de ces vieux textes poussiéreux qui font partie du programme, en tout cas qui faisaient partie du programme d'éducation dans le secondaire, que ce soit en français ou en philosophie. L'utopie de Thomas More, même si il est très éloigné de nous, c'est un vade-mecum de la résilience. Et c'est un vade-mecum de la résilience particulièrement utile aujourd'hui, dans ce monde où nos politiques, nos intellectuels, nos soi-disant responsables en tout point veulent absolument nous imposer, parce que c'est une urgence, une seule vision de demain. Et ce réductionnisme, ce côté étriqué de ce qu'on nous propose, peut être balayé très facilement en ouvrant l'utopie de Thomas More. Alors Thomas More, vous le savez peut-être, était chancelier d'Angleterre. Il a été décapité sous Henri VIII. Il a été décapité, non pas du tout d'ailleurs pour avoir écrit l'utopie, hein, mais pour avoir refusé de signer, de prêter serment à l'acte de suprématie que Henri VIII avait imposé au Parlement anglais et qui faisait de lui le chef suprême de l'Église d'Angleterre. Donc si Thomas More a été décapité, c'est pour des raisons religieuses et politiques, et pas du tout pour avoir écrit cette utopie, qui d'ailleurs passait relativement, je dirais, inaperçue dans son parcours, puisque c'est une œuvre de jeunesse. Alors dans l'utopie, qu'est-ce que Thomas More nous décrit? Évidemment, vous le savez, une cité parfaite, une île parfaite, une île dans laquelle il y a d'abord une égalité entre les citoyennes et les citoyens, entre les hommes et les femmes, une égalité juridique parfaite entre les hommes et les femmes, égalité juridique parfaite qui aujourd'hui encore dans notre société reste très largement illusoire, et puis une égalité également économique, puisque la propriété est bannie de l'île d'Utopie, ou en tout cas, elle ne peut pas servir de critère à l'exclusion de quelque catégorie sociale que ce soit. Mais surtout, ce qui m'intéresse le plus ici, c'est le rapport à la nature que Thomas More met en avant. Dans son utopie, les utopiens et les utopiennes ont un rapport à la nature, au monde physique, hein, au monde physique, et aux ressources que ce monde physique peut recéler, notamment à travers l'agriculture. Ils ont un rapport quotidien à la nature, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas, en créant leur société, ils ne se sont pas séparés du monde naturel. Et Thomas More balaye, avec sa vive intelligence et son sens de la formule, cette dichotomie sur laquelle nous croyons vivre et nous croyons devoir vivre, cette dichotomie rationaliste et non pas raisonnable entre la nature et la culture, entre le monde physique et la société. Comme si l'humanité, en construisant des sociétés, devait impérativement s'affranchir du monde naturel, alors que c'est le contraire qu'il conviendrait de faire, et c'est probablement ce que propose ou ce qu'envisageait Thomas More. Alors voilà ce qu'il nous dit, hein, dans son utopie. Je cite, vous l'avez allé sur l'écran, une seule industrie est commune à tous, hommes et femmes, c'est l'agriculture. Ils ont à la campagne, au milieu des champs, des demeures bien situées, équipées de tous les éléments aratoires. Les citadins y viennent habiter à tour de rôle, car le ravitaillement ne doit pas souffrir de l'inexpérience des nouveaux venus. Le bonheur, pour eux, donc, réside dans le plaisir droit et honnête vers lequel notre nature est entraînée comme vers son bien suprême. Ils définissent la vertu comme une vie conforme à la nature. Alors, que nous dit Thomas More, évidemment, dans cette utopie? Bien, tout simplement, une chose, c'est que notre comportement social ne peut pas s'affranchir, ne devrait pas s'affranchir d'une fréquentation du monde naturel. Et la leçon que donne Thomas More à l'Angleterre de son époque, à l'Angleterre de la Renaissance, à cette hubris, hein, cette démesure qui saisit les princes
ivre de nouvelles techniques à la Renaissance, c'est tout simplement qu'il ne faut jamais oublier les leçons de la nature, et il ne faut jamais oublier tout simplement que toute société se base sur un environnement naturel dans lequel elle s'inscrit, et que cet environnement naturel contient un certain nombre de ressources, et que ces ressources doivent être, il faut les faire fructifier, que ces ressources ne sont pas nature limitée, et que donc bâtir une société qui ne tiendrait pas compte des ressources limitées que lui donne la nature, c'est aller complètement dans la démesure, c'est aller dans le contraire de la raison, c'est aller directement droit dans le mur. Et félicitations, c'est ce que nous avons fait. Et comme nous l'avons fait en toute conscience, en toute bonne conscience, c'est que nous ne voulons pas, nous n'avons pas voulu, nous ne souhaitons pas faire ce fameux pas en arrière, alors nous prenons le choc de pleine face et ce choc nous détruit. Il eut fallu encaisser le choc et reculer pour ensuite réinventer une société. Et c'est ce que nous disait Thomas More il y a déjà, un temps considérable. Et nous continuons à lire Thomas More, mais personne ne voit le caractère raisonnable de son message. Thomas More ne donne pas de modèle contraignant de société. Il nous dit simplement, soyons raisonnables, tenons compte des ressources naturelles, tenons compte de la nature, travaillons la nature en bonne intelligence avec la nature, et notre société sera plus heureuse. Qu'est-ce que c'est que le bonheur, au fond? Eh bien, c'est son plaisir droit et honnête vers lequel notre nature est entraînée, c'est-à-dire, c'est un peu une forme d'épicurisme, en tout cas d'évocation d'Épicure, Thomas More connaissait très bien l'Antiquité, c'est simplement avoir et savoir se limiter dans ses désirs, tout simplement, et dans les choix que nous pouvons faire. Arrêter de vouloir se déplacer partout dans le monde instantanément, ce n'est pas ça que nous montre l'utopie ou même la science-fiction, mais faire des choix et savoir quand se déplacer et quand ne pas se déplacer, par exemple. Dans ce même esprit, vous avez une autre utopie, la deuxième que je citerai aujourd'hui, de l'abbé Morelli. L'abbé Morelli, c'est un homme d'église du XVIIIe siècle, mais aussi un révolutionnaire, en tout cas quelqu'un qui, non pas un révolutionnaire, mais quelqu'un qui a embrassé la réforme de la philosophie et notamment l'esprit des Lumières. C'est un homme des Lumières. Et cet abbé Morelli, bien qu'il ait été formé par l'Église, en quelque sorte intellectuellement formé par l'Église, justement, il a su en tirer les avantages et s'affranchir des inconvénients. Il connaît la méthode de raisonnement, la dialectique, bien sûr, qui est enseignée dans les écoles de théologie, mais il ne s'enferme pas dans aucun dogme. Et en 1755, l'abbé Morelli écrit un petit ouvrage qui s'appelle « Le code de la nature ou le véritable esprit de ses lois ». Le code de la nature ou le véritable esprit de ses lois. Alors, dans ce code de la nature, d'abord, Morelli, évidemment, en homme des Lumières, fait appel à la raison. La raison, c'est-à-dire l'esprit critique, hein, qui caractérise évidemment le siècle des Lumières, et notamment cette capacité que l'on doit avoir à repenser la société, à repenser les fondements de la société. Et puis, dans le sous-titre de ce code de la nature, le véritable esprit de ses lois, Morelli, vous le voyez, rend hommage, en tout cas envoie un clin d'œil très appuyé à Montesquieu et à l'esprit des lois de Montesquieu, qui lui-même interrogeait la relativité des modèles juridiques et des modèles économiques de chaque société. Alors, que nous dit l'abbé Morelli dans son utopie, le code de la nature? Eh bien, regardez, je vous ai sélectionné un extrait qui me semble être révélateur. Vous apercevrez avec horreur la source et l'origine de tout mot, de tout crime, la même où vous prétendez puiser la sagesse. Vous verrez, avec évidence, les plus simples et les plus belles leçons de la nature, perpétuellement contredites par la morale et la politique vulgaire. Éclairés par la raison, les hommes se désassujettissent des préjugés qui leur font prendre un ordre social historique et une construction humaine pour des données naturelles. La nature a fait en sorte pour disposer les hommes à une concorde générale. Elle a fait sentir aux hommes leur égalité de conditions et leur égalité de droits. Alors, le message est un peu différent et moins brillant, je dirais, que celui de Thomas More. Morelli est en somme, je dirais, le petit More du XVIIIe siècle. Il nous dit au fond que pour critiquer la société,
Il suffit simplement de regarder les résultats, de comptabiliser, de faire le compte, ou pour reprendre mon introduction, de faire le calcul des résultats que nous ont donné une certaine forme de morale et une certaine forme de politique. Ne vous trompez pas, quand il appelle vulgaire, il veut dire par vulgaire tout simplement la politique quotidienne. Examinons tout simplement les résultats, c'est-à-dire ne cherchons pas à déconstruire une société avec de grandes idées, ne cherchons pas à proposer des modèles alternatifs qui seraient, je dirais, philosophiquement indiscutables ou eux-mêmes peut-être finalement totalitaires. Non, simplement, nous dit Morelli, regardons la source et l'origine du mal, la source et l'origine des crimes, et constatons que le mal et le crime, les inégalités et les erreurs viennent de nous, et viennent de notre propre pratique de la raison, viennent de la façon dont nous avons, nous-mêmes, impulsé un processus de rationalisation, et nous l'avons suivi, ce processus, jusqu'à son aboutissement le plus extrême, à l'exclusion de toute autre forme de rationalité. Nous n'avons pas voulu considérer que nous pouvions nous tromper. Et depuis les Lumières, et je rends hommage à la philosophie des Lumières et à l'esprit critique des Lumières, mais en étant bien conscient avec le recul que cette philosophie, cet esprit critique des Lumières, était déjà en lui-même une certaine forme de rationalisation. Et que depuis le XVIIIe siècle, le XIXe siècle, le XXe siècle l'ont démontré, nous avons, non pas avec sagesse, pris systématiquement du recul et nous n'avons pas été raisonnables, nous avons approfondi de façon linéaire, de façon peut-être dogmatique, obtuse d'une certaine façon, un processus de rationalisation. Et au fond, eh bien, notre morale et notre politique aujourd'hui se fracassent face à la réalité qui est l'examen à elle-même, l'examen du rapport entre la société et la nature. Et tous nos préjugés doivent tomber. Tous nos préjugés doivent tomber et il n'y a pas de meilleur outil que l'utopie pour nous faire prendre conscience de la nature même de ces préjugés, c'est-à-dire du fait que ce que nous croyons définitif est une forme de préjugé. Alors, il y en a des tas d'exemples. Hein. La propriété privée n'est rien d'autre qu'un choix rationaliste. Les inégalités profondes entre les hommes et les femmes qui ont marqué 3 siècles d'histoire d'Occident, et qui n'ont permis aux femmes d'avoir une place dans la société, une place politique dans la société, que très tardivement, ce sont aussi des préjugés. Le choix d'un système étatique, le choix d'un État centralisé, gouvernant centralisé, imposant une norme générale, d'application générale, créant un modèle de société hiérarchisé, la loi imposant aux citoyens les décisions qu'ils n'ont en réalité que très indirectement prises, puisque évidemment ils ne les ont pas prises eux-mêmes mais par la voix de leurs représentants, cette démocratie elle-même, ce fonctionnement institutionnel de la démocratie elle-même, est un choix rationaliste, c'est-à-dire qu'il n'est pas dicté uniquement par la raison, mais par une certaine pratique de la raison. Nous avons choisi, avec notre raison, puis ensuite avec notre rationalisme, d'imposer une certaine forme de société à nous-mêmes. Et cette forme de société aujourd'hui, elle entre d'une certaine façon, non pas en conflit avec la nature, mais elle est confrontée à ses propres erreurs et à ses propres limites. Et il s'agit simplement, non pas de faire le procès de cette société, il ne s'agit pas de détruire l'État, de détruire les démocraties, de détruire la loi, comme pensent certains révolutionnaires qui veulent tout abattre. Non, je ne le crois pas. Je pense que simplement, il faut faire ce recul, prendre un certain recul et interroger les modèles alternatifs de société que, avec le recul qui nous permettra d'encaisser le choc, nous serons capables d'impulser et de faire évoluer notre modèle social. Et vous voyez, tout est dans l'utopie. Tout est dans l'utopie de Thomas More et tout était déjà dans l'utopie de Morelli. Et avec un rappel important, c'est que nous sommes des animaux politiques, nous sommes des animaux sociaux et que nous devons établir entre nous ce que Morelli appelle une concorde générale. Et sans cette concorde générale,
il n'y a pas de société possible. Donc il ne s'agit pas de choisir entre le chaos et la société, il s'agit simplement d'encaisser le choc, de revenir en arrière, de faire preuve de résilience et de repenser ensemble nos modèles sociaux. Et il n'y a pas de meilleur outil pour ce faire que la science-fiction et l'utopie. Je parle d'outils évidemment intellectuels uniquement. Alors, faisons maintenant un pas en avant et abandonnons la science-fiction, abandonnons l'utopie pour passer à la naissance de la science-fiction. Alors, cette naissance de la science-fiction, vous le savez, elle s'est faite principalement, allez, je dirais en deux temps pour schématiser, hein, au risque évidemment de voir me tomber dessus tous les spécialistes de ces deux temps, le premier comme le second. Et nous vivons aujourd'hui un troisième, un quatrième temps, un cinquième temps peut-être de la science-fiction. Le premier temps, c'est cette phase formidable entre la fin du 19e siècle et la Première Guerre mondiale. Cette phase qui va, je dirais, de 1860 à peu près à 1914. Et dans cette phase, on voit naître, surfant sur la vague de la révolution industrielle qui est accomplie, et surfant peut-être aussi sur la vague de la révolution positiviste qui s'accomplit, on voit naître ce qu'on appelle le merveilleux scientifique, avec notamment des auteurs européens. Et la science-fiction, ne l'oublions pas, est une littérature d'abord européenne et également française en particulier, avant d'avoir été une littérature évidemment stricto sensu américaine. Et aussi, on sait aujourd'hui à quel point c'est une littérature mondiale parce qu'elle est raisonnable et donc elle se marie très bien avec toute forme de culture et avec toute forme de raison, toute forme de rationalité. Et donc il y a la science-fiction dans tous les pays du monde, indienne, chinoise, japonaise, russe, etc. Aujourd'hui, nous avons enfin compris que nous n'avons pas le monopole de l'imaginaire scientifique. Alors ce merveilleux scientifique qui naît donc au tournant de l'entre-deux-siècles, entre 1860 et 1914, eh bien, il apporte quelque chose de profondément sain, c'est la rencontre entre la littérature, entre l'imaginaire, entre le merveilleux et la science. Et cette rencontre entre littérature et la science, elle est permise grâce à la raison, précisément, et à cette porosité de la méthode scientifique et de la méthode littéraire, d'une certaine façon. Et ce sont principalement, bah, il faut bien le dire, hein, et je salue le travail de Serge Lehmann, à qui je dois énormément, et pas simplement sur le plan intellectuel, dans sa préface à Chasseurs de chimères, qui était parue donc aux presses de la Cité. Il montre que la rencontre entre le merveilleux scientifique, entre le merveilleux et la science est finalement l'âme de la science-fiction européenne. Alors, je voudrais citer deux phrases qui me permettent de positionner comme ça ce roman de merveilleux scientifique, avec tous les auteurs qui en ont fait évidemment, qui en ont été les défenseurs. D'abord, les frères Goncourt, qui en fondant leur académie, savait très bien qu'il fallait être raisonnable et ne pas regarder avec un espèce de nombrilisme béat et consternant la haute littérature au mépris de la technique ou de la science. Ils avaient compris, les frères Goncourt, en 1856, que le roman de merveilleux scientifique était quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit, qui permettait peut-être une résilience même de l'imaginaire occidental, sans renoncer à son style ou à la poésie. Voilà ce qu'ils disent, hein. Le roman de merveilleux scientifique, c'est quelque chose que la critique n'a pas vu, avec plus de poésie et de l'imagination à coup d'analyse. C'est-à-dire que oui, on peut émerveiller en présentant des situations rationnelles, des situations futuristes qui font appel à la science et à la raison. Il n'y a pas simplement le merveilleux du fantastique ou le merveilleux de la magie. Il y a une magie de la science et c'est ce qu'a apporté le roman de merveilleux scientifique. Est-ce que les frères Goncourt avaient parfaitement compris? Et puis en France, évidemment, il faut citer Maurice Renard, auteur de Merveilleux Scientifiques lui-même et probablement après Serge Lehmann,
Et après, Fleur Hopkins et tous ceux qui ont été les chantres du merveilleux scientifique aujourd'hui avec des expositions. Et je veux rendre hommage à tous les chercheurs qui travaillent sur ces questions-là. Eh bien, Maurice Renard avait très bien compris ce qu'était le merveilleux scientifique. Voilà ce qu'il nous disait, ce qu'il écrivait. Le roman de merveilleux scientifique nous découvre l'espace incommensurable à explorer en dehors de notre bien-être immédiat. L'espace incommensurable à explorer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en dehors de notre bien-être immédiat? Ben, ça veut dire que nous ne devons pas avoir l'esprit collé uniquement et notre capacité à la raison collée uniquement sur le présent. Il faut embrasser toutes les possibilités. Il faut réinventer le rapport que nous avons au passé. Et c'est ce qu'on appelle l'histoire. L'histoire est une réinvention permanente du rapport que nous avons au passé, et aussi penser le futur, c'est-à-dire explorer toutes les possibilités et aller jusqu'à la merveille, aller jusqu'à l'outrance, presque à ce que les scientifiques, on va dire, entre guillemets, qu'on dit dignes de ce nom, mais qui souvent manquent d'imagination, considèrent comme quelque chose de totalement improbable. Il faut oser. Il faut de l'audace pour aller inventer ou réinventer les raisons qui nous ont amenés à être ici aujourd'hui et celles qui feront que nous serons peut-être ailleurs demain. Et Maurice Renard est un des grands théoriciens. Alors je voudrais citer la formidable préface de Serge Lehmann qui nous montre bien cette portée du merveilleux scientifique. Pardon, je viens de toucher le micro, ça a peut-être fait un bug de son. Je cite Serge Lehmann, vous voyez que j'ai dûment annoté. En quoi, se demande Renard, l'attaque d'un problème inconnu, la mise en forme de solutions imaginaires par l'auteur de Merveilleux Scientifique, en quoi se distingue-t-elle des stratégies de la science? C'est l'introduction volontaire dans la chaîne des propositions d'un ou plusieurs éléments vicieux, de nature à déterminer par la suite l'apparition de l'être ou de l'objet ou du fait merveilleux, c'est-à-dire de ce qui nous semble actuellement merveilleux. Car l'avenir, écrit Maurice Renard, peut démontrer que l'élément supposé vicieux ne l'était nullement et que notre merveilleux scientifique était purement et simplement de la science involontaire. Ce procédé général pour construire la charpente d'une histoire revêt des formes infiniment variées et nous permet d'admettre comme certitude des hypothèses scientifiques et en déduire les conséquences. Par exemple, de ce que ces hypothèses pourraient amener en termes de technologie, en termes de concrétisation. Eh bien, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui, chères auditrices et chers auditeurs. C'est dans le roman de Merveilleux Scientifiques que se tient la clé de notre résilience face à la crise que nous venons de traverser, face aux crises que nous avons déjà traversées et face à celles que nous traverserons. Il faut revenir en arrière, revenir aux racines du Merveilleux Scientifique et retrouver cette au fond, cette générosité, cette confiance, peut-être cette candeur qu'avaient les premiers auteurs de Merveilleux Scientifiques au XIXe siècle, qui étaient capables de prendre une hypothèse scientifique et de l'amener jusqu'à ses extrêmes conséquences, sans se poser la question de leur crédibilité. Je trouve que la science-fiction d'aujourd'hui, aussi brillante soit-elle, elle est terriblement corsetée. Elle veut prouver qu'elle a raison. Elle veut prouver qu'elle est scientifique. Elle veut prouver qu'elle est étayée, qu'elle est pertinente. Mais arrêtons de vouloir prouver et agissons. Arrêtons d'essayer de rechercher l'aval de scientifiques qui n'ont pas le tiers du quart de notre imagination la plupart du temps. Arrêtons de vouloir systématiquement être comptable, être redevable. Au tenant de la littérature, au tenant de la culture dominante, de notre pertinence, prouvons-la tout simplement en écrivant, en agissant, en interrogeant, en interagissant avec le public comme nous le faisons à travers ce festival. Et ces éléments vicieux que l'on nous reproche, eh bien, justement parce qu'ils sont vicieux, parce qu'ils sont, je dirais, pour prendre un mot plus contemporain, justement parce qu'ils sont subversifs. Exagérons-les, accentuons-les et écrivons des romans fous, des romans complètement pas croyables en fait. Allons aux confins de l'incrédulité du lecteur et c'est peut-être ici que se tiendra notre plus grand rôle raisonnable, c'est-à-dire nous aurons stimulé la raison
de nos lecteurs et de nos lectrices, de ceux qui regardent nos productions en termes de séries télé ou en termes de bandes dessinées ou en termes d'animation, de tous les supports que l'on peut imaginer. Soyons fous pour être raisonnables. Vous savez, Samuel Butler, qui était un utopiste anglais du 19e siècle, disait il faut des collèges de déraison. Il ne faut pas opposer la raison à la déraison. Au contraire, la déraison n'existe pas sans la raison et la raison sans la déraison. Il faut donc que nous soyons déraisonnables pour ne pas être rationalistes. Et c'est précisément, chers lecteurs et chers auditeurs, c'est précisément ce que faisaient les auteurs du merveilleux scientifique. Ils étaient déraisonnables pour mieux stimuler l'esprit critique et la raison de celles et ceux qui les lisaient. Alors, je pourrais citer tous les auteurs, évidemment, mais je ne vais pas le faire. René Néné et beaucoup d'autres. Et je n'ai pas parlé de Jules Verne, évidemment, mais là encore, on pourrait retrouver énormément de choses qui sont la clé de notre résilience. La conviction aussi d'une science-fiction qui a des vertus pédagogiques, c'est celle qui nous approche maintenant de la science-fiction dite de l'âge d'or. L'âge d'or, c'est celui, vous savez, de la science-fiction d'abord et avant tout, il faut bien l'admettre, de la science-fiction américaine. Les Américains, parce que nous étions, et c'est ce que dit Serge Lehmann, hein, nous n'avons pas été capables, je vais même être plus vulgaire, on n'a pas été foutus, hein, de thésauriser notre propre patrimoine culturel. C'est-à-dire que nous avons laissé, pendant longtemps, ce merveilleux scientifique en friche. Comme si c'était une terre inculte, comme si c'était une terre qui avait montré qu'elle n'était pas finalement, qu'elle ne produisait pas assez de fruits. Et les Américains, tranquillement, s'en sont saisis. L'imaginaire du merveilleux scientifique est passé de l'autre côté de l'Atlantique, et il a donné naissance aux science-fiction à la Hugo Gernsback, et il a donné naissance à la grande, je dis bien à la grande, et je l'assume, hein, à la grande science-fiction américaine. Car les Américains ont su pratiquer l'audace, d'une façon que les Européens ne s'autorisaient plus à faire. Alors, la science-fiction de l'âge d'or, eh bien, elle a des vertus, et notamment, elle a des vertus pédagogiques. C'est-à-dire qu'elle s'adresse, avec une certaine forme d'humilité qui n'était pas finalement nouvelle. La science-fiction européenne l'avait déjà fait, mais elle l'avait oublié, tout simplement. Mais elle a su, la science-fiction américaine, s'adresser aux jeunes, s'adresser aux toutes nouvelles générations. Elle a été l'équivalent de ce que font les réseaux sociaux aujourd'hui. Elle a été l'équivalent de ce que font les youtubeurs aujourd'hui. Vous savez, quand on vend des romans de science-fiction et qu'on en vend moins de 1 000, ce qui est mon cas, sauf exception, on se rend compte à quel point tout ça est consternant en comparaison des milliers de milliers de milliers de milliers de milliers de followers qu'a le moindre youtubeur qui parle de séries télévisées de SF ou de culture scientifique. Donc il faut faire preuve d'humilité, et c'est ce qu'a fait la science-fiction américaine. Ne vous y trompez pas, vous qui m'écoutez, la science-fiction américaine a fait preuve d'audace, mais aussi d'humilité. Elle s'est adressée aux jeunes. Et ça a été probablement grâce à Hugo Gernsback et ensuite à John W. Campbell, auteur aussi, mais surtout l'éditeur et le créateur de la revue Astounding. Alors c'est Robert Heinlein, qui est un peu le Jules Verne américain, qui l'exprime très bien, cette vertu pédagogique de la science-fiction, dans un article qu'il a produit à partir d'une conférence qu'il a prononcée en 1957, qui s'intitule Grandeur et misère de la science-fiction. Vous voyez bien, hein, les plus et les moins. La position de Heinlein n'est pas une position prosélyte. Heinlein n'est pas un prophète de la science-fiction, hein, pas du tout. Il n'est pas non plus une sorte de gourou de la science-fiction. Il n'a jamais souhaité l'être et il ne l'a jamais été. Il est plutôt un pédagogue de la science-fiction et il tient compte des avantages et des inconvénients. Voilà ce qu'il écrit. Il y a une interaction entre la science et la science-fiction. Il y a de nombreux points communs entre scientifiques et écrivains de science-fiction. D'ailleurs, certains font les deux. Wells était diplômé de biologie, Verne travaillait main dans la main avec des savants. Asimov enseigne la biochimie à la faculté de médecine de Boston. Il écrit des manuels universitaires. Il est aussi l'auteur d'une série de livres scientifiques pour la jeunesse. Et il trouve, nous dit ironiquement, vous voyez, de surcroît, hein, il y a une jolie ironie chez Heinlein, il trouve encore le temps d'être auteur de science-fiction majeur.
Mais voilà la question la plus importante. Est-il surprenant que de tels individus, écrivant de la fiction à propos de ce qu'ils connaissent le mieux, s'arrangent pour tomber juste assez souvent? Alors oui, la science-fiction tombe juste, bien sûr. Et c'est en ce sens qu'elle est résiliente. C'est qu'elle est juste même lorsqu'elle se trompe. Elle a ce petit plus même lorsqu'elle est dans le négatif. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte? Il est en train de fatiguer, c'est midi 5, la conférence doit se terminer dans 20 minutes, et il est en train de partir en vrille. Mais non. La science-fiction n'a jamais eu l'ambition de dire ce que serait le futur. Elle nous dit ce que le futur va avoir comme préoccupation. Et elle nous dit ce que les éléments du futur vont être, non pas dans la forme, mais sur le fond. Et sur le fond, la plupart du temps, elle ne se trompe pas, précisément parce qu'étant une littérature douée de raison, étant une littérature raisonnable, elle est capable de peser le pour et le contre et d'interroger l'équilibre entre une vision unilatérale de la société et toutes les autres sociétés possibles. Alors par exemple, deux exemples très simples, hein, les cyberpunk et Asimov. Asimov a pensé les robots. Il a pensé les robots humanoïdes comme un outil narratif, c'est-à-dire comme un moyen de technique narrative pour écrire ce que on aime bien, moi j'aime bien appeler, d'autres le font aussi souvent, de petites bombes logiques. Hein. Ces nouvelles du cycle des robots sont de petites bombes logiques, c'est-à-dire que il met en scène un robot avec trois lois, qui sont pas si juridiques que ça, mais qui sont des lois malgré tout, qui d'ailleurs aujourd'hui sont étudiées hein, dans les colloques de droit, figurez-vous, en tout cas comme outil intellectuel. Et avec ces trois lois, il imagine tout un tas un répertoire de situations dans lesquels il va pouvoir surprendre le lecteur en faisant agir le robot de façon logique, alors qu'elle semblait ou qu'elle pouvait sembler de prime abord illogique. Eh bien, Asimov a eu raison. Il a eu tout simplement raison. Bien sûr que nous ne vivons pas aujourd'hui avec des robots humanoïdes tout autour de nous. Bien sûr que nous ne sommes pas entourés de robots positroniques. Et bien sûr que pour l'instant encore, nous n'avons pas des robots humanoïdes qui interagissent avec nous comme s'ils étaient des êtres humains, mais fondamentalement, les robots dans notre société sont omniprésents et nous interagissons avec eux parfois plus souvent qu'avec d'autres êtres humains, ou nous interagissons avec eux en même temps, simultanément, conjointement ou connexement avec les autres êtres humains. Et donc Asimov a raison, nous avons programmé des algorithmes qui ne sont rien d'autre que des robots pour interagir avec nous et nous accompagner dans l'évolution de notre propre société, de notre propre sociabilité. Ils sont dans nos téléphones portables, dans nos ordinateurs, dans le moindre mot que nous prononçons par le truchement du réseau. Et demain, les robots compagnons seront peut-être une réalité. Ils existent déjà, bien sûr, mais seront peut-être une réalité populaire, peut-être cette fameuse troisième révolution industrielle dont on nous parle déjà depuis une dizaine d'années. Et puis le cyberpunk dont je vous ai parlé déjà évidemment, là aussi, hein, le cyberpunk a raison, hein, complètement. Et c'est fou parce que moi j'ai 48 ans cette année, j'ai lu les cyberpunk tardivement lorsque j'étais jeune et j'aimais pas beaucoup le cyberpunk, j'aimais pas beaucoup cette famille là de la science-fiction. Elle me semblait extrêmement ringarde et datée finalement. Et dans les années 90 et 2000, on a pu se dire hein, que finalement le cyberpunk avait vécu, que ça n'était rien d'autre qu'une mode et que finalement les réseaux existaient, mais pas du tout de la manière dont les cyberpunks, Sterling, Gibson et tous les autres, Walter John Williams et tous les autres les avaient imaginés. Et puis aujourd'hui, regardez ce qui se passe, c'est incroyable, avec cette montée en puissance de l'idéologie transhumaniste. Voilà que le cyberpunk est sur toutes les lèvres. Voilà que tout le monde veut faire du cyberpunk. Voilà que tout le monde veut prétendre connaître William Gibson. Voilà que les cyberpunks fondateurs d'un courant daté de la science-fiction sont réédités, retraduits. Ils retrouvent leur place dans le champ littéraire et aussi dans le champ intellectuel. C'est incroyable. Il y a des colloques entiers qui se tiennent sur ces questions de réseau et qui font intervenir justement ce corpus du cyberpunk. Eh bien,
Là encore, c'est le signe de la résilience. Le cyberpunk a su saisir, dans les années 80, a su saisir toutes les possibilités rationnelles, toutes les rationalités divergentes que les réseaux, que l'Internet, à proprement parler, allait amener dans notre société. Et le propre du cyberpunk, c'est justement d'avoir fait la critique de ces rationalités, la critique de ces sociétés alternatives que nous allions avoir. Et aujourd'hui, quand je vois que certains tenants du transhumanisme se servent du cyberpunk comme élément probatoire, en quelque sorte, destiné à montrer que le transhumanisme est légitime, ça me fait bondir. Je ne vais pas bondir devant vous, ça ne donnerait pas un grand résultat, mais ça me crée des ulcères. Parce que justement, les cyberpunks avaient ce goût de la critique qui était celui de Thomas More, qui était celui des philosophes des Lumières, qui était d'interroger le processus de rationalisation en cours et de l'interroger de façon critique, de ne pas être idolâtre du réseau, mais d'être au contraire les surveillants, d'une certaine façon, les critiques de ce réseau, sans en faire le procès, mais en regardant les avantages et les inconvénients. Ce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que nous ne sommes plus tellement capables de faire dans la précipitation avec laquelle nous jetons dans ce réseau en permanence. Donc là encore, résilience du courant cyberpunk et résilience de la science-fiction de l'âge d'or, et en particulier de cette approche de Heinlein qui nous montre qu'effectivement, il faut savoir comment dire, s'intéresser à toutes les possibilités offertes par la science. Alors, quelques exemples, je vais citer évidemment Heinlein, mais très rapidement, mais pour vous montrer que l'obsolescence n'était pas si programmée que celle qui est programmée pour nos ordinateurs et nos télévisions et nos téléphones portables. Voilà ce que dit Robert Heinlein dans Les Vertes Collines de la Terre en 1947. 1947, hein. Les voyageurs déplorent l'absence d'un service direct Terre-Lune, mais le saut de puce de 400 000 km exige 3 types de fusées et 2 changements de station spatiale, et ce pour une bonne raison, l'argent. La commission du commerce a fixé le coût du trajet en 3 étapes de la Terre à la Lune à $30 la livre de poids. Un service direct coûterait-il moins cher ? Un vaisseau conçu pour décoller de la Terre et opérer un atterrissage dans le vide sur la Lune, effectuer le voyage de retour et opérer un atterrissage atmosphérique emporterait tant d'équipements spéciaux à usage unique que même un tarif du transport à $1000 la livre ne rentabiliserait jamais le parcours. De quoi nous parle Heinlein dans cet extrait? Mais pas de... Et c'est très juste, hein, lorsqu'on vient de voir la réussite de SpaceX, hein, et la capsule Dragon de Elon Musk qui a réussi à rejoindre la Station Spatiale Internationale. Quel est le critère? C'est pas le critère technique. C'est même pas le critère politique. Quel est le critère de l'exploration de l'espace, chers amis? C'est l'argent. C'est l'investissement. C'est le choix que nous faisons ou ne nous faisons pas d'investir dans la conquête de l'espace, ou plutôt dans l'exploration de l'espace. Et bien sûr, Elon Musk est un milliardaire un peu foufou, visionnaire et qui mérite toutes les critiques que l'on fait sur lui. Mais lui, il pense l'avenir avec une audace incroyable, une audace d'auteur de science-fiction. Il évoque une multiplanetary humanity, une humanité multiplanétaire. Il veut aller sur Mars, le fou. Mais il a l'argent. Et l'argent est le critère principal. Et cette vieille science-fiction qui pourrait sentir la naphtaline pour certains d'entre vous, de Robert Heinlein, cette science-fiction des années 50, cette science-fiction plus que datée, américanophile et tout ce que vous voulez, elle pointe du doigt l'essentiel de l'avenir en termes spatial, c'est l'argent. Les choix politiques découlent de l'argent. Les choix techniques découlent de l'argent. Un peu de recherche correctement financée. Et nous aurions déjà, depuis 30 ans, les vaisseaux nécessaires pour aller sur la Lune et sur Mars, et de façon sinon massive, du moins de façon beaucoup plus fréquente, un peu comme jusqu'à ce confinement, nous prenons l'avion pour aller d'un continent à l'autre. Et cet élément-là, c'est un élément très sain aujourd'hui, car dans notre rationalisme, où nous opposons l'exploration de l'espace aux nécessités sociales du temps, nous commettons une erreur intellectuelle qui est d'une grande stupidité.
l'un n'exclut pas l'autre. L'exploration de l'espace, l'exploration humaine de l'espace n'est en rien incompatible, dichotomique ou en opposition radicale avec le fait de régler sur Terre et maintenant nos problèmes politiques, économiques et sociaux. C'est après tout grâce au progrès de la technologie spatiale que nous avons pu mettre au point la miniaturisation qui a permis à nos sociétés de nous doter de l'outil informatique qui aujourd'hui produit et fait tourner sur des serveurs des algorithmes qui nous donnent des décisions rationnelles ou qui nous aident à la décision. Donc vous voyez, Heinlein, à travers son côté provocateur, nous rappelle cela. Et puis un autre auteur américain, Poul Anderson, très rapidement, dans Le Peuple du Ciel, nous dit également que l'important, c'est de ne pas perdre de vue la méthode scientifique, au fond, et que cette méthode scientifique, elle n'appartient à personne. Et elle-même n'est pas un dogme. La méthode scientifique, et je m'adresse ici à tous ceux qui font partie de l'université, de l'université Côte d'Azur, et tous ceux qui sont inscrits dans l'enseignement, cette méthode scientifique, c'est d'abord et avant tout un moyen d'apprendre. Un moyen d'apprendre, et ce moyen d'apprendre, il est, par nécessité, un moyen pédagogique en perpétuel recommencement. Et nous devons absolument tenir compte de cette liberté pédagogique également qu'aujourd'hui on cherche à développer dans l'université en particulier. Alors j'avais tout un tas d'autres extraits, mais je vais conclure pour que nous puissions avoir un petit moment de questions. Et je m'excuse par avance hein, d'avoir été, comme d'habitude, trop long. C'est pour ça que je ne réussirai jamais l'agrégation d'histoire du droit et que je ne cherche plus d'ailleurs à la réussir de quelque manière que ce soit. En guise de conclusion, je voudrais que nous pensions contre nous-mêmes avec la science-fiction. Et ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que nos certitudes sont plus dangereuses que nos incertitudes. Et que si nous avons aujourd'hui peut-être la certitude que le monde a changé et que nous devons construire un monde d'après, et que nous devons peut-être un peu abandonner tout ce à quoi nous nous sommes référés par le passé. Si nous avons peut-être la certitude que toutes ces vieilleries que je vous ai évoquées ne servent plus à rien, eh bien peut-être que nous devrions prendre un petit peu plus de recul. Et je pense que les utopies en général et la science-fiction en particulier nous montrent qu'il faut rester ouvert dans l'étude de notre propre rationalité, rester humble. Et peut-être nous dire que nous devons être capables de penser contre nous-mêmes, de penser contre notre époque, et de sortir de toutes ces gangues idéologiques dans lesquelles nous sommes inscrits, et qui bien souvent nous empêchent de penser librement. Alors lisez de la science-fiction, regardez des séries de science-fiction, relisez Thomas More si vous avez 5 minutes cet été, et merci de votre attention, et je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions. En réalité, j'attendais des questions plus tôt. Mais du coup, eh bien, je ne vois qu'elles ne sont pas tombées. Donc, soit vous n'êtes pas là, soit vous n'avez pas de questions, soit je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions dès à présent et pendant les 15 minutes qui nous restent, 10-15 minutes qui nous restent. Voilà. Merci. S'il y a des questions, évidemment. Alors, s'il n'y en a pas, évidemment, on va pas en inventer, comme on fait sur les plateaux télé. Je vois pour l'instant que dans mon document partagé, ma chère modératrice Méjeanne ne m'envoie pas de questions. Donc, je vais juste revenir à la première diapo pour conclure par une image. Voilà, juste revenir à la première diapo pour conclure par cette image. D'un numéro de Amazing Stories de Hugo Gernsback de 1928, si je ne me trompe pas, de septembre 1928. Alors, ben, j'aime beaucoup cette image parce que elle résume tout ce que j'ai essayé, je pense, de vous dire dans cette conférence. Peut-être maladroitement, peut-être de façon trop détaillée, je ne sais pas. Vous voyez cette encre de l'imaginaire qui écrit le mot science-fiction.
grâce à l'équilibre, grâce aux rouages qui sont mobiles et manipulables entre deux éléments qui s'opposent des deux côtés de la roue qui permet au stylo de bouger avec son petit tuteur, les faits et les théories. Les faits, parce que la raison est un examen des faits objectifs, et les théories, parce que la raison, et c'est sa nature elle-même, doit échafauder des théories à partir des faits. Et qu'être raisonnable, c'est tenter d'imaginer ce que les faits peuvent avoir comme nature, comme explication, les reconnaître d'abord en tant que tels comme des faits, et échafauder, penser à un comportement à partir de ces faits, qui pourra donner évidemment des solutions utiles pour l'individu ou pour la collectivité, et que notre imaginaire est perpétuellement entre ces faits et ces théories, et qu'il doit rester mobile, car si il n'est concentré que sur les faits, et si il s'obnubile sur le présent et le réel présent, eh bien le stylo ne bouge pas. Et si il n'est concentré que sur des théories, il n'est que fiction pure. Et dans ce cas-là, il perd son caractère justement le plus intéressant, son caractère de raisonnabilité, si je peux dire, de stimuler nos raisonnements. Et puis, bien entendu, l'important, c'est que cet équilibre entre les faits et la théorie nous amène au final vers les étoiles, vers l'imaginaire, comme le montre très bien cette formidable image de ciel profond qui apparaît, qui transparaît derrière le mot science-fiction. Voilà. Ah, je vois une question que j'avais pas vue. Alors, je lis la question. Est-ce que les auteurs de SF n'ont pas influencé la création de nouvelles technologies que nous avons actuellement? Alors oui, bien sûr, la science-fiction a influencé beaucoup de technologies, même si elle est tombée souvent à côté de la forme de ces technologies. C'est-à-dire que, notamment, hein, j'en prendrai deux, la révolution des transports, qui est une révolution très importante dans la science-fiction, et la révolution des communications. Dans les deux cas, la massification du transport et la massification des communications ont été anticipées par la science-fiction et pas n'importe laquelle, hein. La science-fiction des tout premiers âges, notamment aux États-Unis, la science-fiction des pulps, qui imaginait des villes, des mégapoles tentaculaires, dans lesquelles notamment les transports publics de type métro, tram, etc., étaient très généralisés. On pourrait aussi citer Robert Heinlein avec sa nouvelle de l'histoire du futur, Les routes doivent rouler, où on a tout un tas de modèles qui lui viennent d'ailleurs de textes plus anciens dont il s'inspire, de trottoirs roulants. Et puis surtout la révolution des communications. Alors certes, la science-fiction n'a pas stricto sensu inventé nos fameux téléphones portables, mais elle s'est posée la question de l'instantanéité de la communication, et notamment sur de grandes distances, et le fait qu'une société étendue, une société vaste, ne pouvait pas survivre en l'absence de communication massive et instantanée. Et donc on trouve aussi, effectivement, dans la science-fiction, ces anticipations-là. Mais encore une fois, le plus et le moins, hein, la science-fiction a anticipé l'impact social de la massification des transports et de la massification des communications, elle n'a pas anticipé la forme précise qu'allaient prendre ces moyens-là et ces moyens techniques-là. Et je vois une autre question. Heinlein, l'inventeur du LIAO. Alors oui, je ne sais pas s'il est l'inventeur du LIAO, mais effectivement, on en trouve mention. Et effectivement, Heinlein a joué beaucoup avec ça. J'en tire aussi un exemple, merci Léo, pas un exemple, mais une méthode précise. Le plus grand talent de Robert Heinlein, probablement, c'était de montrer des innovations technologiques comme si elles étaient d'une grande banalité, en les comparant précisément à des choses d'une grande banalité qui existaient déjà dans le quotidien. C'est-à-dire impressionner finalement ses lectrices et ses lecteurs en montrant que c'était des choses qui étaient finalement très commune et très répandue. Voilà. Et notamment dans tout ce qui est l'histoire du futur, il y a beaucoup d'exemples à ce sujet. Bien, alors on me fait signe qu'il reste que 5 minutes, donc je ne sais pas s'il y a encore le temps pour une autre question.
D'accord, il me reste donc encore quelques minutes. Alors, Méjane qui m'entend peut encore éventuellement me transmettre une question. Sinon, je peux essayer peut-être de vous montrer une dernière citation que j'aime bien. Je vais peut-être vous amener vers une dernière citation que j'aime bien, s'il n'y a pas d'autres questions. Allez, je vous amène sur une citation qui va vous amuser et qui fait écho au problème que nous avons connu avec le Covid-19. Vous savez que ce Covid a énormément frappé les personnes vulnérables et les personnes âgées. Et il était important, et peut-être c'était un choix politique aussi, hein, de protéger ces personnes vulnérables. Mais d'une certaine façon, ce Covid a été très inégalitaire sur les générations. On a protégé les anciens au détriment de la liberté de mouvement des jeunes, puisqu'il fallait se confiner pour ne pas développer le virus, pour ne pas que nos aïeux, qui sont très importants pour notre identité aussi, hein, pour notre culture, meurent massivement. Et en même temps, les jeunes qui étaient moins atteints n'ont plus eu d'un seul coup, du jour au lendemain, nos adolescents n'ont plus cette liberté de mouvement qui est partie essentielle de l'adolescence et de l'apprentissage de la vie. Alors du coup, Carl Sagan, dans Contact en 1985, il faut prendre au second degré hein, ce que je vais dire, évidemment, décrivait des stations spatiales hein, qui étaient en fait des maisons de retraite. Les personnes âgées, ou du moins celles qui en avaient les moyens, eh bien, se réfugiaient dans un monde trop dur, dans des stations orbitales, et ces projets de stations orbitales civiles se sont développés comme nous dit Carl Sagan, des maisons de retraite spatiales à quelques centaines de kilomètres d'altitude, et elles furent opérationnelles dans les toutes dernières années du deuxième millénaire. C'est une amusante uchronie. Alors bien sûr, il y a le coût, mais ce coût peut être aussi assumé en partie par l'État, hein. Après tout, c'est le rôle aussi de l'État, lorsqu'il prétend être providence, ne serait-ce qu'en partie, de protéger les citoyens. Et du coup, eh bien, ces maisons de retraite spatiale, qui paraissent totalement, voilà, décalées aujourd'hui, mais eh bien, au fond, elles ont existé comme ça dans le roman de Carl Sagan, comme une solution, pour protéger, ces personnes âgées qui finalement étaient trop heureuses d'y prendre leur retraite et ne voulaient surtout pas revenir dans la société. Alors, on évitera ça, bien évidemment, et le confinement était nécessaire, bien sûr, et nous devons tous être solidaires, c'est vrai, mais évitons aussi de faire des sociétés où la liberté de déplacement serait hiérarchisée non plus simplement au niveau de l'argent, mais au niveau de l'âge. Et soyons attentifs à ce qu'une société qui a pris des bonnes décisions, peut-être provisoirement, ne devienne pas une société qui transforme ses décisions provisoires en décisions permanentes et fasse, au fond, une bascule de la raison au rationalisme, encore une fois. Voilà. Et je pense que le temps est écoulé. Donc je vous remercie. Je vous remercie d'avoir été là. Ne jamais arrêter de se questionner ou ne jamais accepter d'avancer sans se retourner. Odile, hein, qui nous pose cette dernière question, vous me donnez avec beaucoup de talent et beaucoup de sagacité, Odile, le mot de la conclusion. Voilà la leçon de la science-fiction et de l'utopie. Je cite Odile, ne jamais arrêter de se questionner ou ne jamais accepter d'avancer sans se retourner pour voir effectivement le chemin parcouru. Merci de votre attention et rendez-vous cet après-midi avec Laurent Casy à 15h pour une rencontre avec ce personnage haut en couleur du monde de la science-fiction et de l'imaginaire, traducteur, auteur, scénariste de BD et bien d'autres choses. Voilà, à tout à l'heure. Merci à vous. Au revoir. Merci. Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice-fiction.fr. Les stands vous attendent sur notre serveur Discord. Pensez également à visiter nos expositions 3D et n'hésitez pas à intervenir dans le chat des conférences et tables rondes si vous avez des questions.